Sagittaire, soyez le bienvenu dans votre tirage sentimental relationnel pour le mois de novembre 2022. Je suis contente de vous retrouver. Alors, ce tirage, il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Sagittaire, la Lune en Sagittaire. N'oubliez pas que vous avez déjà une autre vidéo pour l'aspect général du mois, pour voir le financier, le professionnel, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette série de vidéos. Maintenant aussi, voilà, je vous propose dans cette vidéo plusieurs tirages, comme vous le voyez bien, donc si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, n'hésitez pas à passer au tirage suivant. Alors, on va commencer déjà par cette carte qui représente un message important à vous livrer, mes amis, par rapport à votre évolution sur ce mois-là. Et vous avez laissé une chance à votre relation, travaillé sur votre couple. Donc, pour certaines personnes ici, on vous dit que c'est pas fini, c'est pas terminé. On vous dit que n'abandonnez pas vraiment votre relation, d'accord? Vraiment, ne perdez pas espoir. Voilà, gardez un peu la foi, gardez l'espoir, c'est pas encore fini, vous pouvez encore sauver votre couple, votre relation. Donc je pense que certaines personnes, vous avez vraiment besoin d'entendre ça. Alors maintenant ici, sur le côté tarot, sur le tirage tarot, donc le premier tirage, donc là écoutez, pour moi ça me parle ici vraiment d'une relation, si vous voulez, qui passe par une période comme ça, comme par exemple une séparation, comme par exemple aussi voilà, une trahison, un adultère, peut-être qu'une grande déception comme ça dans le cœur, parce qu'on a des blessures et on a aussi la possibilité de se guérir de quelque chose qui est profond, qui est vraiment douloureux, d'accord? Je pense que c'est ce qui vous attend sur ce mois-là, c'est vraiment la guérison par rapport à cette blessure, hein, d'accord? Parce que, en fait, ici, pour moi, ça me parle de tentation, ça me parle de quelqu'un qui a été tenté, vous voyez, d'une autre personne peut-être qui est rentrée au bout d'un moment dans le couple, ça peut être aussi une triangulaire, une faute de parcours, vous voyez, vraiment ce genre de choses. Ça peut être pour vous, mes amis, mais ça peut être justement votre autre, par exemple, hein, qui est le sujet de tout ça, bien évidemment. J'ai l'impression ici que ce qu'on cherche bien évidemment sur ce mois-là, c'est vraiment de se guérir, c'est aussi de retrouver confiance, retrouver la stabilité, hein, reprendre aussi si vous voulez une vie normale. Pour certaines personnes, la blessure elle est tellement profonde que vous avez l'impression que vous avez vraiment perdu une grande partie de votre vie, vous avez perdu peut-être une grande partie de vous-même. Et donc là, vous êtes à la quête justement de cette partie-là parce que vous voulez retrouver cette sérénité et vous voulez aussi, pourquoi pas, hein, retrouver l'amour dans votre vie. Bah, déjà, l'amour, hein, le vrai amour, bien évidemment. Donc je pense que vraiment ce tirage-là, il parle de ça, il parle vraiment de ce nouveau départ pour vous, hein, par rapport à cette guérison et le fait aussi de pouvoir passer à autre chose dans votre vie. Déjà, on le voit, hein, vous allez pouvoir regagner confiance en vous, vous allez pouvoir aussi peut-être vous mettre en avant, commencer aussi à rencontrer du monde, commencer aussi à, vous voyez, à retrouver l'amour de soi que vous avez peut-être perdu aussi au bout d'un moment. Donc il y a cette idée vraiment de cette énergie-là qui ressort. Maintenant, je pense effectivement, c'est ce que vous allez pouvoir trouver, et peut-être grâce à quelqu'un, grâce à une rencontre que vous allez faire, ou tout simplement déjà grâce à une grande satisfaction dans votre vie. Mais moi je pense que c'est en lien avec quelqu'un, c'est en lien vraiment avec un bon entourage qui vous soutient, qui vous supporte, et en lien aussi fort probable avec une rencontre importante dans votre vie sur ce mois-là, parce que déjà on a le 10 de coupe, hein, qui ressort ici. Pour moi ça c'est vraiment le bonheur partagé avec quelqu'un, c'est peut-être finalement le fait de trouver la personne, d'accord, vraiment la personne avec qui vous pouvez partager votre vie et qui va éventuellement vous aider aussi petit à petit à oublier, hein, ce passé-là qui a été douloureux et qui a été aussi pénible pour certains d'entre vous. Donc vraiment c'est un peu ce que je vois ici sur ce tirage, et il y a l'idée aussi également vraiment d'une grande réussite sentimentale. Il y a l'idée aussi finalement qu'on est dans une phase de récolte, on récolte les fruits de sa passion, on récolte les fruits aussi de son travail sur soi, de son développement personnel, on récolte aussi finalement les fruits du fait qu'on a pu finalement prendre les leçons dans la vie et pouvoir évoluer. Vous voyez, c'est comme si en fait aujourd'hui l'univers il vous récompense, vous voyez, donc on est vraiment dans cette phase de récompense, et d'ailleurs ça me parle vraiment d'une grande évolution et d'ailleurs d'une révélation et d'un déclic. Pour certaines personnes aussi, fort probable que vous êtes évolué dans votre parcours spirituel. Et c'est peut-être tout simplement vous vous êtes retrouvé dans la spiritualité comme une, voyez, comme une technique, hein, peut-être c'est pas technique le mot approprié, mais comme une solution, comme une issue, comme une, vraiment comme ça,
porte vraiment pour vraiment vous aider dans cette guérison, pour vous aider aussi, si vous voulez, à tourner cette page qui est difficile en ce moment dans votre vie. Mais on voit bien que vous allez pouvoir retrouver la stabilité, on voit bien que vous êtes en train d'évoluer. Alors peut-être pour certaines personnes petit à petit, mais certainement vous tendez vers la stabilité dans votre vie et vers vraiment quelque chose de sérieux, de sécurisé. Parce que pour moi, je vois cette rencontre qui est là pour vous. D'accord ? Voilà vraiment cette personne qui est là. Et encore une fois, avec qui vous pouvez vivre le vrai amour, avoir vraiment la relation que vous avez toujours souhaité d'avoir dans votre vie. Voilà. Donc ça marque la fin de ce cycle. Ça marque vraiment ce deuil quelque part, hein, et cette période un peu obscure, cette période un peu difficile dans votre vie, hein, marquée par cette douleur, parce que là aussi on a le 3 d'épée justement, et on a le 5 d'épée qui parle de ce sentiment d'être trahi, d'être blessé, d'être abandonné, etc., etc. Alors, donc ça c'est bien par rapport au deuxième tirage. Alors, par rapport au deuxième tirage, ici on voit bien une grande transformation pour mes amis les Sagittaires. Hein, d'accord ? Donc, cette transformation, bien évidemment, elle peut être marquée par une séparation, par un divorce, par une rupture. Hein, d'accord ? Donc, pour moi, il y a l'idée ici quand même de naviguer à travers également des blessures. On a ici. Peut-être parce que là, j'ai la carte de la superficialité. Donc, il est fort probable que pour certaines personnes, vous vous rendez compte aujourd'hui que la relation que vous menez avec votre autre, c'est pas très profonde. Et c'est peut-être ce qui vous blesse, d'accord ? C'est ce qui vous blesse et c'est ce qui vous dérange. Parce que là aussi, on parle de la fin d'un cycle. Et peut-être d'ailleurs une froideur qui s'installe dans le lien. Parce que, encore une fois, c'est pas très, très, très profond à vos yeux. Il est fort probable aussi que vous, mes amis, vous allez prendre la décision de vous séparer, voilà, de terminer une relation, de mettre en terme, peut-être à une rencontre aussi qui est récente, parce que vous remarquez que c'est pas très profond, vous remarquez que vous n'êtes pas peut-être sur la même longueur d'onde, vous remarquez aussi que c'est pas vraiment la bonne personne pour vous. Alors oui, il y a peut-être cette déception parce que c'est pas ça, ça n'a pas été la bonne personne, mais finalement, vaut mieux vraiment se rendre compte dès le début que c'est pas exactement ce qu'on voulait, que peut-être se rendre un petit peu déjà trop tard quand on est vraiment très engagé émotionnellement parlant, vous voyez. Et j'ai aussi l'impression ici que pour certains Sagittaires, il est question d'un grand ménage dans votre vie relationnelle sentimentale. Vraiment. Donc là, on est en train de faire un grand ménage, un grand nettoyage, une grande purification par rapport à peut-être certains liens, certaines personnes du passé, par rapport auxquelles vous n'arrivez pas peut-être tout simplement à... par exemple, ces personnes-là, vous n'arrivez pas à les oublier, d'accord ? Elles sont toujours là, vous pensez toujours à cette personne, même si vous savez très bien que ce n'est pas bien pour vous, d'accord ? Voilà. Donc, il y a l'idée finalement là de pouvoir clôturer un chapitre, clôturer une page dans votre vie, dans le but vraiment de passer à autre chose, hein, d'accord ? Vraiment, encore une fois, on a cette idée de fin d'un cycle par rapport à ce tirage. Alors maintenant, on va passer au dernier tirage. Et donc là, on est vraiment sur d'autres énergies ici. Parce que là, pour moi, ça me parle d'un besoin de lâcher prise par rapport à certaines choses qu'on a envie de changer dans notre vie, que ce soit si on est en couple ou si on est dans une relation. Maintenant, pour les personnes qui sont dans une relation ici, il est fort probable que vous allez pouvoir vous retrouver mieux encore dans le couple. Peut-être que, voilà, il y a eu des révélations, il y a eu des... Par exemple, une période comme ça de non-dit, une période comme ça un peu compliquée. Par contre, là, on a la réconciliation qui est là, qui va vous garantir que finalement, votre couple va pouvoir se retrouver. Parce que c'est une relation qui est basée sur la sincérité, que c'est une relation qui est basée aussi sur l'amour. Et d'ailleurs, on voit bien qu'on travaille bien tous les deux sur la relation. D'accord, on est bien d'accord ici, hein, d'accord. Donc parce que là, voyez bien, je pense que ce message aussi, c'est par rapport au troisième tirage, plus particulièrement, d'accord, parce que je pense qu'il y a encore quelque chose à sauver dans la relation, c'est pour ça aussi qu'on a la réconciliation. Parce que sinon, on ne sort pas cette carte, d'accord. Et donc ici, voilà, donc peut-être il y a des choses comme ça qui sont en train de faire surface, d'accord, comme des problèmes, comme des choses à travailler, comme des peurs, comme des doutes, peut-être des fois qu'on a des doutes qui ne sont pas justifiés, tout simplement, et certainement, si ça se trouve que c'est le cas, et surtout si vous remarquez que c'est répétitif, et bien peut-être il y a un besoin justement de traiter ça, de voir ça de près, pourquoi en fait vous avez des doutes. Pourquoi vous douter de votre partenaire, même si ce sont des doutes qui ne sont pas justifiés jusqu'à maintenant? C'est qu'il y a toujours une raison et vous allez devoir ici, quelque part, mettre le doigt sur cette raison pour pouvoir la guérir et la traiter.
D'accord? Parce que ça peut être aussi une forme d'obsession, bien évidemment, ou voilà, un manque de confiance qui vient d'une expérience personnelle qui n'est pas complètement guérie. Mais de toute façon, ici, c'est comme en fait, il y a l'effet loupe, vous voyez, là, l'effet comme ça, un projecteur de lumière sur les choses qui n'allaient pas, sur les choses qui ne vont pas, dans le but de les traiter une fois pour toutes et repartir de plus belle dans la relation et se réconcilier justement avec l'autre convenablement. Surtout ici, on n'a pas envie de rester sur la superficie, sur la surface, on a envie vraiment d'être comme ça en intimité et en profondeur. Et voilà, c'est ce que vous allez pouvoir aussi sécuriser sur ce mois-là. Et ça, c'est grâce au travail mutuel que vous allez pouvoir faire ensemble. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes amis, par rapport à votre évolution sur ce mois-là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.